Thank you.
On va résoudre les 5 questions. Donc, c'était un TD pour fixer les compétences au niveau du chapitre 1 et chapitre 2. Et au niveau des travaux, la première question c'est la définition. Voilà, et on dit de définir d'abord le métier de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le métier de l'entreprise? À défaut de pouvoir évoquer tout ce qu'on a fait, on peut résumer pour faciliter les synonymes au niveau du métier. Donc, selon vous, qu'est-ce que c'est que le métier, lorsqu'on parle du métier de l'entreprise, qu'est-ce que vous entendez par là? On avait dit la dernière fois, c'est que moi j'avais retenu, c'est le savoir-faire global de l'entreprise. Voilà, donc tout le monde est d'accord? Voilà, c'est le savoir-faire de l'entreprise, c'est-à-dire sa raison d'être, tout simplement. Voilà. Bien, ensuite nous avons parlé du but de l'entreprise. Voilà, le but de l'entreprise c'est quoi? On a dit que c'était le but de l'entreprise, c'est le résultat final. Ça. L'objectif aussi. L'objectif aussi. Le but de. C'est un objectif primordial, c'est un horizon. L'entreprise veut atteindre dans un temps de défini. D'accord. Ok, voilà, le temps défini, voilà qu'il doit avoir. Bien, donc c'est l'orientation que l'entreprise se propose d'atteindre, c'est ça? Voilà, simplement. Voilà. Bien, ensuite, on a parlé de mission aussi. La mission, c'est quoi? C'est la vision de l'entreprise. Oui, la vision de l'entreprise. La mission, c'est ce pourquoi l'entreprise a été créée. Voilà, ce pourquoi l'entreprise a été créée. Par exemple, lutter contre la pauvreté, une organisation peut lutter contre sa mission, etc. Voilà. Bien. Ensuite, la politique de l'entreprise. La politique de l'entreprise. On a dit que c'était les directives. Oui, les directives. Les orientations qu'on donne à l'entreprise. Oui. Les normes. Les normes, très bien. Les règles. Voilà. Que l'entreprise se fixe. Voilà. Donc, ensemble de règles, de directives, voilà, de décisions, voilà, que l'entreprise souhaite atteindre. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la politique. Et enfin, on aboutit à la stratégie. La stratégie, qu'est-ce que c'est que la stratégie? C'est l'ensemble des moyens qu'on va donner, qu'on va mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Voilà. Donc, ensemble des moyens, voilà, qu'on se donne pour atteindre l'objectif. Voilà. Bien. Ensuite, nous avons le plan d'action. Plan d'action, c'est une opportunité. Le plan d'action, c'est les actions à mener, voilà. De façon concrète. On avait cité sur, comment j'ai dit, les 5 points, le coût, le délai, les personnes qui vont animer ça, les moyens et puis le matériel. Très bien, donc c'est la traduction en fait de la stratégie en action, en action précise. Voilà, qui le fait, qu'est-ce qu'il fait, avec quel budget, quand, etc. Voilà ce qu'on appelle le plan d'action. Yeah. Et enfin maintenant, la tactique. La tactique. La tactique, c'est l'action concrète. C'est un moyen utilisé. Quand tu utilises une tactique, c'est une manœuvre. Voilà, simplement, c'est une manœuvre. Voilà, permettant de mener à bien, n'est-ce pas, les actions prévues dans le plan. Voilà, c'est une manœuvre que vous utilisez pour pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, les actions prévues dans le plan. Voilà ce qu'on appelle la tactique. Bien,
la stratégie peut être là, mais tu peux utiliser une tactique pour pouvoir atteindre. Voilà, mais la tactique utilisée par X n'est pas forcément la même tactique que l'autre. Voilà, mais vous allez utiliser la même stratégie. Voilà. Bien. Et maintenant, on nous demande qu'est-ce que c'est que l'objectif marketing. Objectif marketing. Marketing, c'est un résultat qu'on souhaite atteindre, tout simplement, qui est sorti d'abord d'une intention, d'une proportion et puis d'un délai, voilà, et qui concerne nécessairement le produit, le prix, la distribution et la communication, puisqu'on dit c'est un objectif fort marketing. Voilà, simplement. Bien. Ensuite, on dit quelles sont les contraintes qui sont liées à la fixation d'un objectif marketing. On doit tenir compte de quoi pour fixer un objectif marketing? Les contraintes internes. Les contraintes internes. Les contraintes externes. Voilà. Les contraintes internes, un exemple. Ça peut être sur le plan salarial, c'est-à-dire des maintenances salariales. Oui. Le budget de l'entreprise n'est pas forcément très bien. Énorme. Voilà. Maintenant, les contraintes externes. La fiscalité, oui. Ça peut être les décisions étatiques, les réformes, voilà. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise, ça ne dépend pas de l'entreprise, donc contrainte externe. Voilà. Bien, ensuite, la différence entre un objectif quantitatif et bien un objectif qualitatif. La différence entre les deux. Un objectif quantitatif, un objectif qui peut être chiffré, mesuré. Un objectif qualitatif, qui peut être chiffré. Ok, voilà donc l'objectif quantitatif est un résultat mesurable, tandis que l'objectif qualitatif n'est pas mesurable, c'est simplement une appréciation, voilà, un point de vue, voilà, simplement, voilà la différence entre les deux. Voilà. Donc, l'objectif quantitatif peut être un chiffre d'affaires et l'objectif qualitatif peut être le taux de notoriété, par exemple. L'image, voilà. Donc, voilà. Yeah, et enfin, maintenant, la cinquième question, en quoi consiste l'arbitrage des objectifs? En quoi consiste l'arbitrage des objectifs? L'arbitrage des objectifs, c'est décider de tel objectif en tenant compte des différentes contraintes. Donc, quand on tient compte des différentes contraintes, ça veut dire qu'on fait l'un avant l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On prioriser. Voilà, très bien. Donc, l'arbitrage consiste à prioriser, n'est-ce pas, certains objectifs par rapport à d'autres, compte tenu, voilà, de vos moyens ou de l'urgence. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça l'arbitrage. Voilà, vous allez juger. Le conseil peut juger, bon, c'est ce qui est bien à faire maintenant ou après, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle l'arbitrage. Donc, voilà ici ce que nous pouvons dire sur ce petit travail, voilà, pour balayer un peu ce dont nous avons parlé la dernière fois. Voilà. Donc, je pense que si vous avez relu le cours, il n'y a pas d'inquiétude au niveau des deux premiers chapitres. Nous allons effectivement aborder le troisième, voilà, qui s'intitule le choix des options stratégiques. Voilà, donc comme on l'avait défini avant d'entamer la fois dernière, j'ai dit que la différence entre le plan marketing et le choix
La stratégie marketing, c'est que la stratégie marketing fait partie d'un plan. Voilà, donc quand nous voulons mettre, n'est-ce pas, un plan, concevoir un plan, et le plan va contenir nécessairement des stratégies. Voilà. Donc c'est ce chapitre-là. Et l'objectif pédagogique de ce chapitre, c'est au terme du cours de pouvoir savoir quelle option choisir, hein, quels critères nous devons regarder pour choisir telle option, etc. Voilà. Donc voilà le chapitre 3, le choix des options stratégiques. Il faudrait savoir que le choix d'une stratégie marketing est contraint par de grandes options stratégiques qui ont été effectuées par la direction générale. Et cela découle aussi des analyses internes et externes au préalable et du diagnostic. Ça veut dire que pour choisir, pour opter pour une stratégie, il faut s'appuyer nécessairement sur le diagnostic interne et le diagnostic externe. Voilà. Si tu choisis une stratégie qui n'est pas adaptée à toi, tes forces et tes faiblesses, voilà, tu risques de ne pas arriver n'est-ce pas, à ton objectif. Donc, on dit aussi que la sélection d'une option stratégique fait partie des principaux points d'un plan marketing. C'est ce que je disais tantôt. Voilà. Ce chapitre a pour objectif de se fixer les critères de choix, voilà, d'une stratégie et définir les différentes stratégies. Et pour ce faire, nous allons décrire les différents niveaux, hein, de stratégie, les critères aussi de choix, voilà, et puis les différentes stratégies. Voilà. Donc, ces différentes stratégies vont nous permettre à long de concevoir ce qu'on appelle le plan marketing. Voilà. Bien, d'abord, les différents niveaux, hein, de stratégie. Voilà, on distingue la stratégie corporate. C'est une stratégie qui est formulée au niveau du plan stratégique d'entreprise et qui est élaborée au niveau du siège, et qui donne un cadre général pour le développement futur des activités de la firme. C'est au niveau du siège que les allocations des ressources ou l'échelonnement des projets sont décidées. Ça veut dire que si la stratégie corporate, ça veut dire quand vous avez une entreprise qui a plusieurs démembrements à travers un territoire, toute la stratégie est définie par le siège. Et vous êtes obligé d'appliquer, voilà, simplement. Par exemple, si toi, tu es manager à Boaké, même si tu as fait une étude de marché, voilà, le siège va te demander d'appliquer forcément, eux, leur stratégie. Donc, quand c'est élaboré au niveau du siège, c'est qualifié de stratégie corporate. Voilà, c'est ce que le nom que les marketeurs ont donné. Et il y a ses avantages et inconvénients. Voilà, on le voit dans le cours de marketing international. Ça veut dire que cette stratégie est rigide, hein, elle ne te permet pas d'adapter, mais ça permet au siège aussi d'évaluer, n'est-ce pas, les entités. Voilà, c'est sur la même base qu'ils pourront vous évaluer. Voilà, parce que si on laisse la liberté à chacun d'opter pour une stratégie, on ne pourra pas mesurer l'efficacité. Or, si vous appliquez la politique, hein, du siège, alors à partir de là, on pourra vous évaluer. Bien. Et ensuite, nous avons la stratégie sectorielle. Dans la définition, c'est une stratégie formulée au niveau stratégique d'activité par l'équipe en charge d'un domaine d'activité. Par exemple, si vous avez des groupes d'activité, si l'entreprise a plusieurs secteurs d'activité, ils vont demander à chaque équipe au niveau de chaque activité de concevoir une stratégie, à bien même d'atteindre leur objectif. Donc, cette stratégie est qualifiée de stratégie sectorielle. Bon, voilà la stratégie de tel secteur, voilà la stratégie de tel secteur. Et puis, chaque domaine d'activité précise sa contribution, voilà, compte tenu des ressources accordées par le siège et la division. Donc, par exemple, le siège peut dire, voilà, nos moyens, nos ressources pour pouvoir appliquer cette stratégie-là. Et vous allez concevoir, n'est-ce pas, une stratégie en fonction des ressources accordées par le siège. Donc, ils vont appeler cela la stratégie sectorielle. Donc, ça ne vient plus du siège de la direction générale, ça vient du domaine, un domaine d'activité bien précis. Voilà.
Et bon, peut-être que c'est pour les grandes entreprises, voilà, qui ont plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, si c'est une entreprise qui est dans le BTP, qui est dans la télécommunication, vous comprenez donc qu'on ne peut pas avoir la même stratégie. Voilà, simplement. Donc, voilà un peu. Ensuite, nous avons la stratégie marketing. La stratégie marketing, elle identifie les choix fondamentaux faits dans le domaine marketing pour atteindre les objectifs visés, en particulier les marchés cibles visés, le positionnement des produits. Et c'est une stratégie formulée au niveau du plan marketing relatif au marché cible, c'est-à-dire au niveau de chaque entité, produit, ligne, gamme ou marque. Donc la stratégie marketing, c'est quoi? C'est tout simplement le département marketing, n'est-ce pas, qui va élaborer ses stratégies en tenant compte des clients, de leurs besoins. Voilà tout simplement. Et voilà pourquoi j'ai dit plus haut, nous tenons compte d'abord du diagnostic. Et le diagnostic se réfère, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle l'étude de marché. Donc si c'est le département marketing qui conçoit sa stratégie marketing, elle est qualifiée, n'est-ce pas, de stratégie marketing, parce que ça vient du département marketing. Voilà, simplement. Ce sont simplement des dénominations. Tout simplement, les stratégies peuvent ne pas se ressembler. Voilà, donc peut-être dans le langage d'un manager, il va te dire la stratégie sectorielle ici. Il faudrait savoir que c'est une équipe qui a élaboré cette stratégie. Mais là, quand c'est la stratégie marketing, ça veut dire que c'est le département marketing qui a élaboré la stratégie. Voilà, simplement. Voilà. Mais alors, lorsqu'on dit stratégie corporate, il faudrait s'attendre à ce que la stratégie est quittée au niveau du siège. Nous, on ne fait que venir appliquer. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Maintenant, nous avons maintenant la stratégie opérationnelle. Voilà. Donc, c'est une stratégie qui est formulée au niveau de chaque composante du produit ou du service. Ça dit produit, prix, distribution, communication. Ça veut dire que quand on prend le produit, quelle est la stratégie à adopter? Ça dit si on doit modifier le produit avec un composant, etc. Donc, ça veut dire l'action que nous allons mener, c'est ce qu'on appelle la stratégie opérationnelle. Ensuite, le prix. Voilà, on va tenir compte des concurrents. Voilà les trois prix que nous avons choisis pour fixer. Maintenant, on va essayer de choisir parmi les prix qu'on va adopter compte tenu de la qualité du produit. Ensuite, la distribution. Nous allons faire l'autodistribution ou bien nous allons utiliser des mandataires ou bien des représentants, etc. Donc, ce qu'on va faire au niveau de la distribution. Ensuite, nous avons la communication. Voilà, nous allons utiliser la communication hors média. Voilà. Donc, si on arrive à cela, voilà ce qu'on doit faire précisément. Et nous appelons cet ensemble-là la stratégie opérationnelle. Voilà ce qu'on va appliquer réellement sur le terrain. Voilà. Donc, on a ajouté que ce sont des stratégies définies au niveau du plan produit. Quand on dit plan produit, nous allons voir à la longue, dans le coût, le plan produit, le plan prix, le plan distribution, le plan communication. Qu'est-ce qu'on doit faire également lorsque vous voulez élaborer un plan marketing? Au niveau de chaque élément des 4P, qu'est-ce qu'on doit entrevoir? Donc, c'est ce qu'on appelle stratégie opérationnelle. Voilà. Donc, s'il y a des questions, voilà, concernant ces 5 ou 4 stratégies, voilà. Ce sont des qualifications qu'ils ont donné simplement pour vous dire que c'est pas seulement la direction générale qui conçoit une stratégie. Voilà. La direction générale peut concevoir une stratégie au siège et tout le monde va appliquer. Par exemple, il y a NCA dit bon, maintenant voilà ce qu'on applique. Voilà. Maintenant, on peut dire bon, NCA Abidjan, toi tu appliques ça en fonction des données et ainsi de suite. Donc, au niveau de chaque secteur d'activité, peut-être on va dire bon, assurance maladie, il faut élaborer une stratégie. Assurance décès et abord une stratégie, ceux qui sont dans un sujet. Donc, on va parler des stratégies sectorielles. Voilà, simplement. Parce que ce qui marche au niveau de tel produit peut ne pas marcher au niveau de produit. Voilà. Bien. Ensuite, on a parlé des stratégies marketing. Lorsque, si votre département marketing, malgré plusieurs secteurs, c'est le département marketing, n'est-ce pas, du siège qui élabore vos stratégies, là, on va qualifier ça de stratégie marketing. Voilà. Et lorsqu'on parle de stratégie opérationnelle, là, maintenant, on est dans la phase pratique. Voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire, à quel moment et par qui. Donc, on parle de stratégie opérationnelle.
Bon, voilà ce que je pouvais dire. Voilà, s'il y a des questions, avant qu'on ne puisse passer aux critères de choix. Opérationnel. La phase de réflexion stratégique. La phase de réflexion. Votre fiche, ça prend vigilant. Qu'est-ce que vous avez conduit? Vigilant. Je ne comprends pas. Vous venez ici voir. C'est les ports comme ça. Bon, je ne sais pas. C'est qui doit rentrer, il faut voir. Donc, tu disais que la stratégie opérationnelle découle de la stratégie. Oui, de la grande stratégie. Voilà, elle découle. Voilà pourquoi j'ai mis en bas plan, produit, etc. Voilà. Donc, au niveau du CIR, on peut dire bon, il faudrait que nous puissions atteindre, ou bien notre produit doit être accepté par 90% des Ivoiriens, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire concrètement au niveau du produit pour que le produit soit accepté par les 90% des Ivoiriens? Voilà. Donc, ça découle toujours de la stratégie. Voilà, tout simplement, la grande stratégie. Dans l'opérationnel, il y a des petites stratégies. Voilà, micro-stratégie. Voilà, tout simplement. Par exemple, si on dit on veut faire un chiffre d'affaires de telle somme, ça veut dire qu'il faut faire un plan au niveau du produit, il faut faire une stratégie au niveau du prix, une stratégie au niveau de la distribution et une stratégie au niveau de la communication. Voilà, tout simplement. C'est un maillage. Voilà pourquoi on dit le mix marketing. Nous allons parler au chapitre qui suit de l'élaboration du mixeur marketing. Voilà, c'est intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au critère de choix d'une stratégie. Dans deux, critères de choix d'une stratégie. Et on vous dit que les critères de choix d'une stratégie peuvent être le degré d'hétérogénéité de la demande. C'est-à-dire selon le degré d'hétérogénéité de la demande, la différenciation des produits ou des marques est plus ou moins aisée. Donc, est-ce que chacun peut... essayez de nous expliquer le premier tiret. Selon le degré d'hétérogénéité, n'est-ce pas, la demande. Et on sait ce que c'est que la demande. Le coût passé, on a défini. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, en marketing, tout se suit. Vous allez voir tout ce que nous avons fait, vous allez voir les concepts qui vont venir. Et quand on parle des demandes, on fait allusion à quoi? Quand on parle des demandes, on fait allusion au client. Au client, très bien, voilà. Donc quand on dit hétérogénéité, ça veut dire quoi? C'est pas homogène. C'est pas homogène, très bien, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes motivations, voilà simplement. Donc, on dit que cela, la différenciation des produits ou des marques sera plus ou moins aisée. Donc, si jamais l'hétérogénéité est élevée, ça veut dire que vos produits, vous allez, n'est-ce pas, accentuer la différenciation de vos produits. Maintenant, si ce n'est pas trop élevé, voilà, vous n'aurez pas du mal, n'est-ce pas, à différencier vos produits. Parce que si les clients n'évoquent pas les mêmes besoins, les mêmes goûts, voilà, vous serez obligé de pouvoir satisfaire soit deux ou trois catégories de clients. Voilà. Je veux bien comprendre dans le cas. C'est-à-dire que supposons que les besoins d'un robot ne sont pas les mêmes que les besoins de Yoko. Voilà. Moi, j'ai un produit unique. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas, tu étudies bien les besoins des Abouboulais et le besoin, n'est-ce pas, des gars de Yougoualais. C'est pas quoi je veux des Yougoualais, voilà. Maintenant, il peut s'avérer que c'est un produit unique, mais dans ta stratégie, le produit unique aura une communication à Bobo et une communication à Yopougon. La communication peut être différente, mais c'est le produit unique. Maintenant, en fonction du degré, ça dit que si vraiment il y a un fossé
Hein, entre les besoins des gars d'Abobo et de le Bougon, ça veut dire que tu seras obligé de faire deux produits différents. Voilà. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Il y a des produits qu'on utilise, mais dans la communication, on peut dire à Abobo, voilà ce que ça fait. On va communiquer sur le besoin qu'eux veulent que ça, hein, ça puisse satisfaire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le même produit, tu peux l'utiliser à Le Bougon et communiquer sur le besoin qu'eux cherchent à satisfaire. Maintenant, si tu te rends compte que le degré de l'usager est très élevé, ça veut dire vraiment il faudrait que tu puisses différencier soit l'emballage, soit le produit pour pouvoir satisfaire les deux cibles. Voilà, simplement. C'est comme toi, vous êtes en pharmacie pour différencier par exemple deux produits. Vous dites d'abord adulte, enfant. Vous voyez? Voilà, maintenant, quand j'ai un cousin pharmacien, il demande toujours le poids. Quand on me prescrit une ordonnance, il demande le poids de l'enfant. Il me demande s'il a eu 7, il a quel âge. Tu vois un peu. Voilà simplement. Maintenant, peut-être qu'il y a un médicament du plus petit au plus grand, on peut prendre. Voilà simplement. Voilà. Maintenant, le même médicament, on peut dire comme c'est un enfant qui a 14 ans, alors il faut casser en deux. Voilà tout simplement. Maintenant, quand c'est une grande personne, elle peut prendre le comprimé en entier. Voilà. Voilà, on essaie, on dit c'est la même chose. Voilà, t'as vu, pour les enfants en sirop et les grandes personnes en comprimé. Donc, c'est peut-être que la même composition, voilà, c'est le même produit, mais on communique et puis bon, on essaie de différencier. Et l'enfant, pour prendre l'effervescent, bon, ça sera compliqué. Le dosage, donc, c'est un peu ça. Voilà. Et puis, c'est pour le même besoin, c'est-à-dire recouvrir la santé. Voilà. C'est ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? Donc, vous voyez un peu, à partir du premier tiret, l'intérêt de la segmentation. Voilà, il faut segmenter ta cible pour voir ceux qui présentent les mêmes besoins, voilà, les mettre ensemble et puis élaborer des actions, n'est-ce pas, vers eux. Voilà. Mais s'il y a une différence, hein. Mm-hmm. Bon. Parce que si le client lui-même, il a la capacité de choisir. De choisir. Donc, mm-hmm. Si le délivre de la demande. Demande du client lui-même ici, mm-hmm. dans le cadre de la santé. Oui. En fait, le patient, c'est le client. Oui. Il a un agent. Oui. Donc, c'est le prescripteur qui devient l'agent. Ouais, l'agent, oui, l'agent, oui. Le client lui-même, c'est qui fait le choix. Mm-hmm. À la place. Mm-hmm. Voilà. Oh. Le client lui-même, c'est un peu c'est le même modèle, mais ouais. Avec une différence. Ah, voilà, différence avec le prescripteur. Avec, n'est-ce pas, la présence du prescripteur. Voilà. Nous appelons les agents d'influence. Donc, c'est ce qui est dit, on nous dit, le directeur marketing précise les bases de différenciation des produits et décide entre une stratégie de segmentation, si l'hétérogénéité est faible ou modérée ou élevée, et une stratégie de contrôle segmentation, hétérogénéité nulle. Voilà. Donc, si l'hétérogénéité est nulle, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de différence, on décide d'une stratégie. Maintenant, lorsqu'elle est... Elle est modélée ou bien élevée, voilà, on va décider comment nous allons apporter les différenciations. Voilà. Donc il faut regarder le degré d'hétérogénéité avant de choisir une stratégie. Parce que la stratégie peut marcher sur le segment A, mais peut ne pas marcher sur le segment B. Voilà. Bien. Ensuite aussi, les options choisies sont retenues par la concurrence aussi. Voilà, il faut tenir compte aussi de la concurrence. Voilà. Donc quand vous voulez choisir une stratégie, il faut regarder en face le concurrent a choisi quelle stratégie. Si ça a marché, hein, voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc le marketing ne peut ignorer les options stratégiques retenues par la concurrence, car l'intensité des luttes dépend du nombre et de la puissance des concurrents présents. Donc souvent il faut être regardant sur ce que le concurrent a choisi comme stratégie. Voilà, simplement. Maintenant, si toi tu veux choisir la même stratégie que le concurrent parce que ça marche pour lui, est-ce que toi tu as les ressources d'appliquer la même stratégie? Voilà. Tu peux aussi utiliser sa stratégie en corrigeant les failles du concurrent. Voilà, simplement. Voilà. Donc, on vous demande d'être regardant dessus.
même si vous voulez choisir une stratégie aussi, il faut savoir aussi s'il y a beaucoup de concurrents ou bien moins de concurrents. Est-ce que la stratégie qu'il va choisir là, puisqu'ils sont beaucoup, est-ce que ça va marcher? Il faut choisir une stratégie avec le grand nombre, parce que toi tu viens d'arriver. Quelle stratégie tu vas choisir pour qu'on puisse, le client puisse te repérer parmi tant de concurrents? Voilà, simplement. Donc il faut être intelligent sur tout cela. Bien. Il y a aussi la position concurrentielle détenue ou envisagée par l'entreprise. Ça veut dire que quelle position dans ton secteur d'activité tu tiens. Tu es challenger, tu es leader, tu es suiveur, etc. Voilà. Donc, il faut savoir cela avant de choisir une stratégie. Donc, si tu es leader, il y a des stratégies qu'il ne faudrait plus adopter. Voilà, tout simplement, comme celui qui vient d'arriver. Voilà, simplement. Donc, la stratégie vis-à-vis des clients dépend de la part de marché détenue par l'entreprise. Par exemple, si tu es leader, tu es connu, peut-être qu'il y a des paramètres, tu n'as pas tenu compte de ça. Tu ne fais pas trop d'efforts. Maintenant, quand tu n'es pas trop connu, il y a des stratégies que tu dois pouvoir mener. Ou bien si ta capacité financière n'est pas trop solide, il y a des stratégies qu'il ne faut pas adopter parce que tu viens d'arriver, etc., etc. Donc, ça dépend de ta position concurrentielle. Tu es leader, tu es challenger, hein, tu es suiveur, ou bien tu es, n'est-ce pas, à la queue. Voilà, vous tenez compte de cela pour pouvoir choisir votre stratégie. Ensuite, nous avons le critère, la croissance des activités. La croissance des activités. Donc, pour vous dire quoi, le choix de la stratégie marketing dépend de la croissance des activités envisagées par l'entreprise, c'est-à-dire le mode de progression du chiffre d'affaires hein, sélectionné par le directeur marketing. Donc vous aimeriez que, dans quel sens, hein, à quelle vitesse, hein, n'est-ce pas, le taux de croissance puisse n'est-ce pas, évoluer, et vous allez choisir aussi votre stratégie en fonction de cela. Si vous n'espérez pas trop de chiffre d'affaires en début d'activité, ça va vous permettre aussi d'adopter une stratégie. Maintenant, si vous voulez aussi le profit, dès que vous rentrez sur le marché, vous voulez un profit maximum, vous aurez aussi une stratégie voilà, à adopter. Par exemple, si vous voulez un profit maximum, ça veut dire au niveau de la stratégie, vous devez concevoir un produit de grande qualité, hein, avec des intrants de qualité. Il faudrait que le prix aussi soit à la hauteur de la qualité du produit. Et puis, peut-être vos produits ne soient pas distribués par n'importe qui. Et puis, vous n'allez pas communiquer, n'est-ce pas, dans n'importe quel magazine. Voilà, vous allez communiquer au niveau de la clientèle un peu aisée. Parce que c'est eux qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre votre objectif de maximum hein, de profit. Maintenant, si dans votre cas, vous ne voulez pas trop de chiffre d'affaires, vous voulez être connu. Il y a certaines entreprises, par exemple, c'est le taux de notoriété d'abord. Voilà, si le taux de notoriété est là, et puis ils ont un produit moyennement au niveau de la qualité, alors après, ils peuvent envisager, n'est-ce pas, une autre stratégie pour avoir, n'est-ce pas, des profits élevés. Voilà, donc on vous dit en fonction de la croissance de vos activités. Hein, selon ce que le directeur marketing, il faudrait qu'on puisse atteindre cette année, tel chiffre d'affaires. L'année prochaine, on doit augmenter, ainsi de suite. Donc, en fonction de ça, il faudrait mettre une autre stratégie en place. Et c'est simple. C'est comme, je veux que mon enfant réussisse à son examen. Mais il y a des stratégies à mettre en place. Dès qu'il rentre, il faut feuilleter son cahier pour voir s'il a joué. Est-ce qu'il fait ses exercices? Il faut chercher un maître de maison dans les matières scientifiques, un maître de maison en littéraire, ainsi de suite. Donc, ce sont des stratégies que tu vas mettre en place pour qu'il soit... pour qu'il ait son bébé sommet, son pack à une mention bien pour avoir une bourse. Voilà, donc c'est la même chose aussi au niveau du marketing. Ce qu'on fait au niveau du marketing, on pratique cela dans la vie. Voilà, donc c'est comme ça. Même quand vous êtes en train de bâtir une carrière dans votre entreprise, il y a des stratégies. Si tu veux évoluer, un jour tu veux être manager de la boîte, il y a des stratégies à mettre en place. Ça veut dire que ce qu'on te donne, tu fais bien, tu viens à l'heure au travail. Tu es en réunion, tu prends la parole, tu donnes des idées constructives, etc., etc. Donc tu es en train de faire ton marketing personnel. Et demain, si jamais, et à côté tu fais des diplômes, si demain le patron doit rentrer ou bien aller à la retraite, tu vas voir que parmi vous, quand ils vont
demander l'avis des gens, ils vont dire, bon, on préfère que celui-là soit le manager. Mais c'est parce que tu as mis les stratégies en place. Voilà, donc, il faut tenir compte de la croissance de l'activité. Vous voulez que vos activités soient à tel niveau, ainsi de suite, voilà, pour pouvoir choisir votre stratégie. Voilà. Bien, donc voilà les différents critères de choix d'une stratégie. Voilà. Tenir compte du degré d'hétérogénéité de la demande, des stratégies choisies ou bien sélectionnées par la concurrence, la position concurrentielle et puis la croissance des activités. Donc, c'est en fonction de ça, vous pourrez choisir votre stratégie. Voilà, simplement. Donc, voilà les critères. S'il y a des questions qui n'ont pas été... des parties qui n'ont pas été claires, alors vous pouvez nous interpeller. On va essayer ensemble de revenir dessus. Parce que je le dis toujours, en marketing, il n'y a pas de stratégie prête à porter. Ça ne veut pas que tu payes le document, il y a une stratégie dedans. C'est elle qui marche à tous les coups. Il n'y a pas de stratégie. C'est en fonction, en marketing, il faut regarder beaucoup l'environnement. C'est l'environnement qui détermine. Voilà. L'environnement qui détermine avec les informations qui sont au niveau du SIM, c'est-à-dire du système d'information marketing. Voilà, on te donne des informations sur le concurrent, et puis toi, ta stratégie en tête, et puis tu consultes aussi tes collaborateurs et tu as soit une stratégie en place, sinon il n'y a pas de stratégie que tu as apportée. Et quand vous voyez les grands documents, vous allez voir, ils s'appuient même à l'intérieur de ce cours, je vais parler des Kakula, des scénarios qui se sont passés et puis bon, on s'appuie sur ça pour dire voilà ce que ça produit, voilà, c'est du concret, c'est pas un livre qui te dit voilà telle stratégie va marcher à tout le coup. Même quand tu appliques la stratégie, il faut tenir compte toujours de l'environnement. Voilà, c'est une question. C'est juste avoir la possibilité même de concurrence. Oui. Qui n'est pas suffisamment satisfait. Oui, oui. Parce qu'on a estimé qu'il y a un besoin qu'on est venu aussi. Lorsque véritablement on est dans une nouvelle concurrence, c'est plutôt qu'on doit se mettre à niveau pour entrer le client. C'est un peu. Bon, moi, voilà. Moi, j'ai tenté. Moi, on a quand même la concurrence. C'est le don dit. Moi, je suis pharmacien. J'ai ma pharmacie. À 400 mètres après moi, il y a une autre pharmacie. Dans notre jargon, on a été formé, ce n'est pas ta concurrence. Je dis qu'on est là pour servir la population qui est malade. Mais dans la fin, nous sommes concurrents. Parce que tel que je vais accueillir le client, tel que je vais disposer mes marchandises, tel que je vais manager mon personnel, je me différencie de celui qui a 400 mètres de moi. Parce que en réalité, c'est mon concurrent. Parce que s'il a beaucoup plus de clients que moi, et tout le monde va chez lui, moi je vais fermer. C'est-à-dire que l'aspect santé publique ne sera plus vu, mais c'est l'aspect commercial. Donc, à mon avis, si vous êtes fabricant de savon, tous les clients sont là déjà. Ouais. C'est pas votre savon qu'on attend pour se laver. Donc, vous venez dans un milieu où vous voulez une petite niche de 1% ou 0,5% de la population pour faire votre chiffre d'affaires. Vous trouvez des géants sur le marché. Vous devez avoir votre petite place. En réalité, ce que vous devez, c'est vos concurrents. Ce n'est pas parce que le besoin n'est pas encore comblé qu'on va estimer que nous sommes des voisins. Wow. On est voisins dans les faits, c'est vrai. Mais en réalité, peut-être qu'on a dit qu'on est d'abord voisins, mais on est aussi concurrents. Voilà ça. Sinon, ce que tu dis, ça tu dis que on est là, les clients en ont besoin, donc on est venus tous pour les satisfaire. C'est faux, même parce que lui-même qui est là avant toi, quand tu lui demandes, il ne veut même pas que tu t'implantes. C'est ça. Est-ce que tu vois? Moi-même, j'irai plus loin. On est en guerre. On est en guerre, marketing. Voilà, tout simplement, je suis venu même là. C'est pour prendre ceux, c'est-à-dire les clients potentiels, plus les clients.
Je veux même te phagocyter aussi. Voilà tout simplement, si j'ai envahi. C'est ça, il n'y a pas de 10, on a des confrères, on doit se mettre ensemble, on doit copier sur toi. Non. Voilà. Ce qu'il dit au niveau des pharmacies, et par exemple, tout le monde, même ceux qui ne sont pas à l'école, tu entends, dit que lui, il s'est différencié. Le Libanais qui est décédé, la pharmacie de la ville, à Magori, tout le monde dit, si tu cherches médicaments en Côte d'Ivoire, partout, tu ne trouves pas là-bas, tu as tout. Tu as vu, lui, il s'est différencié des autres. Quel que soit le médicament qu'on te donne, tu vas trouver. C'est la même chose aussi, pharmacie de la ville. Moi-même, mon enfant était blessé, j'ai un médicament, ouais, j'ai appelé un cousin, un commandant médecin, il m'a prescrit une pommade là. J'ai cherché au docu, je n'ai pas trouvé. Donc il m'a dit, il faut chercher, c'est efficace. Donc je suis à la pharmacie, la nuit, j'ai trouvé. Et quand tu rentres dans cette pharmacie, mais c'est pas possible. Le personnel, mais je me dis, mais comment il fait pour payer? Il y a des filles. Hein. C'est comme une boutique, un supermarché. Oui, et puis ils accueillent bien monsieur, c'est ici, les vigiles. Les filles, elles s'occupent de toi, ils t'accostent. Voilà, tout simplement. C'est tout. Et puis, jovial, parce qu'un patient, c'est quelqu'un qui est malade. Si quelqu'un arrive à le faire sourire, etc. Voilà. Donc, voilà comment vous faites différencier. Et même, l'histoire dit qu'il avait vu un infirmier à la retraite qui était là. Au lieu d'aller à l'hôpital, quand tu viens, tu expliques, le vieux prescrit, et puis on te donne. Tu vois un peu. Donc les gens ne partaient plus en clinique ou à la pharmacie. Donc lui, c'est différencié du concurrent. Donc c'est ce qu'il a dit. Voilà. Et c'est la clé du marketing. On fait marketing pourquoi? C'est pour se différencier. Le marketing n'a pas l'égal. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que oui. C'est tout comme. Oui, oui. Une guerre. Oui, oui, oui. C'est une guerre de positionnement. Je t'ai dit. C'est ce que je dis là. Toi, tu es sur un marché où, en réalité, tu veux qu'il y ait une seule piste, il n'y a pas à aller de tout. Non. Tout le monde doit comme ça. C'est à quelqu'un qui demande toi, tu avances. Ouais, c'est ça en réalité. Ouais, ouais. Quand on ne se met pas dedans, on te dit, bon, plus quand que tu vas me donner ce que tu as. C'est ça. Or, c'est ça qui fait qu'on n'a pas la fibre d'homme d'affaires. Et puis, chose, moi, je prends un exemple simple. En Côte d'Ivoire, il y a 4 grossistes répartiteurs qui livrent des médicaments aux pharmacies. Il y a un cinquième grossiste qui a eu son autorisation pour s'installer. J'ai un ami qui a été recruté dans cette cinquième grossiste. Un an après, ils n'ont pas augmenté l'activité. Donc, une fois, je l'ai vu, il dit, mais non, je ne comprends pas. Vous avez l'autorisation, tout ça, dans un cinquième grossiste, ça va élargir la concurrence. Oui, oui. Il me dit, oui, effectivement, il n'a pas pu s'installer. Pourquoi? Parce que c'est des grosses, des milliards pour être un grossiste. Il faut avoir des médicaments, voilà, des entrepôts, des véhicules. C'est des milliards. Donc, le promoteur, c'est un Ivoirien. Il a peut-être un peu de milliards, mais il n'en a pas peut-être pour satisfaire la demande. Donc, il a monté son dossier et il a été prendre de la place pour solliciter un financement. Le financement était très, très, très bien avancé. Au moment où la banque devait décaisser, il y a un très grand processus en Côte d'Ivoire qui allait voir la banque. Mais si tu me finances, moi, j'enlève mes comptes dans ta banque pour t'as une banque concurrente. Bon, quand tu vas perdre, et puis les grossistes, c'est des milliards qui font 100 milliards, 200 milliards de chiffre d'affaires par an. Oh. Donc, s'il y a une banque qui a au moins 40 milliards dans le sou, qui part chez elle, si elle te menace, puis si tu finances le concurrent qui veut s'installer là, moi, je ferme mes comptes chez toi, je les envoie dans d'autres banques concurrentes. Oh. Toi, en tant que banquier, tu es prêt à perdre un gros client pour quelqu'un qui va venir commencer nouvellement. Ou bien, mais c'est trop bien. Ouais, j'ai oublié, hein. Et aujourd'hui, 3 ans après, cette boucherie n'est pas encore ouverte. Donc, je vous dis, où est-ce que ça peut aller? C'est des mains obscures même qui sont derrière. Oui. Sinon, la banque pourrait le faire, mais elle est oui, mais il semble même que ce processus est actionnaire à la banque. En même temps que son compte est toujours à la banque, lui, il est actionnaire. Mais s'il est actionnaire, peut-être majorité dans la chose. Alors que c'est un petit qui va venir, le temps qu'il grandisse, oui, voilà. Quand tu continues de grandir, il ne va pas le gêner vraiment. Mais il ne veut même pas même que le gars existe. Le gars existe. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit on en guerre. C'est pas pour même pas. Une guerre. On monte après, je veux dire. Oui, oui, avant les plusieurs. Voilà, en fait. Voilà. Chaque toute entreprise utilise le monopole. Ah, la réalité. C'est ça. Moi, j'ai un ami qui a ce soir. Il dit quand Brassivois s'installait, ils ont fait une réunion avec le DG. J'ai envoyé un spécial DG qui est venu du Cameroun, à son diplôme. Et lui, au
Cameroun avait réussi à hisser leur Boukiaba comme leader du match. Donc quand ils ont senti que la Sénégal venait s'installer en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'ils ont pris pour lui mettre en DG. Quand il est venu la première réunion, il a réuni tous les cadres, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient comptables, qu'ils soient tous les cadres. Il lui a dit, on est en guerre. On était tranquille. Les bras ivoires viennent de nous déclarer la guerre. Ouais. D'ailleurs, ma pauvre, parce qu'on n'est pas encore ouvert, viennent de nous déclarer la guerre. Ouais. Et on doit les tuer. C'est ça que la politique, on doit les tuer. Donc, ça, la même année, ils ont revu les pieds à la baisse du Pamela, des sucreries. Oui, oui. Ils ont tout fait pour étouffer la concurrence. Bras ivoires, ils sont allés 4e ou 5e DG chaque année. Oui, ils changent, ils changent de DG. Voilà. Ils changent de DG. Parce qu'ils ont étouffé. Quand ils baissent les prix, tous les bras baissent les prix. Quand ils font, sur les bras faire aussi. C'est vrai que. Tu vois qu'à son 5e DG. Oui. Ah, parce que tous les DG qui arrivent, ils se rendent compte que. Non, le verre est ici. Ça n'arrive pas. Il y a un géant qui est là. Mais en réalité, peut-être que ça ne va pas forcément déranger sur les bras dans sa masse. Ouais, mais il veut tout. C'est pas le faire. Voilà, il veut forcément les tuer. Mais comme c'est un grand groupe, ils ont dû exister. Donc c'est juste pour dire que. Généralement, quand tu es installé quelque part, même quand tu es déjà milliardaire, il y a un petit qui vient. Oui, tu en es. Oui, comme ça. Tu as étudié le magnétisme pour le tuer. Ouais. Alors, ils ont favorisé number one. Oui, sur les bras, à racheter number one. Tu peux laisser mourir number one. Voilà, tu as vu. Number one n'existe plus. Oui. Ouais, on s'est venu en force à ça, ça a ébranlé même. Donc, après, ils ont tout fait. Ils avaient l'industrie à part. Ils avaient des choses à part. D'accord. D'un autre bout, carrément. Bon, je te dis, il faut toujours regarder la bouche. Le slogan, la bière, c'est chez vous, n'est-ce pas? Non, ouais. Et la coque, c'est quoi? Point. Point. Voilà. Il n'y a pas de deuxième. Il n'y a pas de deuxième. C'est ça. La stratégie, c'est Ils ont racheté, cette phrase-là. Ils ont laissé mourir dans le ils ont racheté et puis l'ont tué. Il n'y a pas de fraternité là-bas. Il n'y a pas de fraternité. Donc, le chercher à avoir le monopole. Ouais. En matière d'affaires, il n'y a pas de. Si tu n'as pas cet esprit, et à moi, tu détruis le marketing. Oui, oui, non, tu ne vas pas comprendre. Oui, tu ne pourras pas faire face à tes charges. Voilà, simplement. Maintenant, si tu es un leader et puis tu dors, c'est fini. Hein? Parce que quand un petit vient, tu es en guerre. Il ne faut même pas le minimiser. Maintenant, si tu le minimises, ce sera tes dépens. Hein? Voilà. Tu seras en train de faire licenciement. Un jour, tu vas vendre les actions et puis donc, c'est fini. Hein? En fait, moi, j'ai dit ça parce que j'ai connu ça. J'étais avec Bougo, la pharmacie. Très bien. Voilà. Mes chiffres montaient. En 3 ans, j'ai multiplié par 2 nos chiffres d'affaires. Quand j'ai fait ça, j'étais dans. Je voulais avoir un bon financement pour. Et puis, il y a une pharmacie qui est venue s'installer derrière moi, à 420 euros. C'est mon vigile qui me voyait. Ah, patron, il y a une pharmacie qui est venue s'installer là-bas. Il a dit non, il n'y a rien. C'est pas un problème. Nous, on est une bonne lancée. Bonne pente. Bonne pente. On ne peut pas nous. Ça ne peut pas nous bousculer. La pharmacie a ouvert. Avec tout ce que tu peux imaginer comme modèle de pharmacie. Et maintenant, quand tu arrives dans la pharmacie, la porte s'ouvre. Elle a plus de stock que moi. C'est un rayon plus moderne que les miennes. La clim, c'est des nouveaux spirits, donc elle a mis beaucoup de clim. Et puis, c'est plus vitré, tout ça. Mais j'ai senti, et c'est ça en octobre, avant décembre, je sentais que je t'avais mangé. Oh, tu as pensé qu'elle n'a pas fait l'étude de marché, elle l'a fait. Elle est venue dans ta pharmacie. Elle est venue regarder ce qui est en léthargie, ce qui est dépassé. Et puis elle a le corrigé. Donc j'ai senti jusqu'à ce que je décide de céder pour le dossier. Et que je dois venir l'acheter. Voilà. Que j'aille faire autre chose. Okay. Mais on est des confrères. En plus, on se connaissait, on a travaillé ensemble avant. Mais elle n'a pas regardé le fait. Elle est venue. Moi, je l'ai minimisé. Voilà, c'est ça. Si je ne l'avais pas minimisé, j'avais peut-être anticipé le prêt que voilà, je voulais prendre voilà, là pour agrandir, pour achalanter, pour moderniser, pour faire les portes électroniques, tout ça. Mais quand tu vas demander un prêt bancaire et qu'on regarde tes derniers chiffres sont en baisse, oui. Et puis tu prends de l'état en panique. Donc,
je fais une remote pour le dossier qui doit dans la banque, mm-hmm. mais on sent que je suis pas en train de baisser, les banques ne peuvent pas m'accompagner. Or, je devais, comment on appelle ça, quand j'ai su, parce que j'ai su qu'il y a le nom de l'esprit installé, j'ai su ça, quand j'ai su ça, c'est en ce moment-là que je devais aller, puisque ça, c'est une boîte, mon temps qui va anticiper. Voilà, c'est juste pour dire qu'un petit, c'est pas que je vais faire le projet, j'ai échoué, mais je me dis que c'est genre des choses-là, on peut mettre les plus. Voilà, c'est ça. Et quel que soit le problème dans lequel vous êtes, pour minimiser le temps. Non, non, non. Même quand tu es seul, il n'y a pas de concurrent, il faut toujours te remettre en cause. Il faut toujours étudier ton environnement, ta clientèle, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Voilà, c'est comme ça. Sinon, un jour, tu seras surpris. Voilà, c'est la même chose. Même, je l'ai dit quand j'ai dit à mes étudiants, j'ai dit, mais même dans le couple, voilà, il faut toujours dire qu'est-ce que tu n'aimes pas, Sinon, un jour, monsieur, après, c'est pareil, bah, tu me mets pas comme ça. T'as dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la même chose dans le marketing. Hein. Voilà, toujours étudier l'environnement. Voilà, ça ne faut pas te dire, je suis à l'aise, je suis le leader, je sais que moi, je ne vais jamais. Non, 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 il faut toujours étudier le marché. Voilà, simplement. Et tirer des leçons et des enseignements. Voilà pourquoi cette année j'ai fait deux fois mon chiffre d'affaires. Voilà. Et qu'est-ce que je dois améliorer, etc. etc. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça, le marketing. Il y a deux clients qui vont venir cette année à Yoko. Ils vont bouleverser tout là-bas. Ah bon? J'ai pris même des auditeurs ici en assurance, en décembre. En technique de vente et de développement de clients. Ils disent qu'il y a deux entreprises, il y a des entreprises d'assurance qui arrivent. Il y avait un auditeur de NCA. Il a été même débauché par une nouvelle entreprise. Ah. Il m'a appelé parce que quand il faisait une conférence avec mes étudiants, je l'ai appelé pour aller intervenir sur l'assurance. Voilà. Donc il venait coup, il dit non qu'il y a des concurrents qui arrivent en force. Des entreprises d'assurance. Donc eux, ils sont venus pour pouvoir se recycler, voilà, pour ne pas pour conserver leur clientèle et puis voilà. Parce que quand les gens vont venir aussi, ils ne vont pas s'amuser. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc chacun est en train de se. C'est que pour pouvoir le marché, c'est une bataille. D'accord, guerre, tu vas faire. Là, ils vont ouvrir les à Yopougon. Oui, 6 décembre. Mmh. On les grandes cliniques. Deux cliniques potables. On ne va jamais vers Yopougon. Ah bon, oui. Enfin, un peu comme les grandes cliniques. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ça, Yopougon, tu vois, il y en a pas. Ça, Yopougon, il n'y a pas de robot de. Avec la médecine aussi, il y a un vide. Et tu dis qu'il y a ouvert à Yopougon, l'eau de Michu. Oui. La Guadia. Oui. Mais le management, c'est très grand. Mais quand tu vas à le scanner en bas, quand tu vas aller voler des choses en bas, tu vas aller. Le CHU est-il fermé? Oui. Je ne comprends pas cette décision-là. On devrait même laisser ce CHU là et puis construire nos CHU. Parce que réhabiliter encore, oh, ça a été réhabilité. Non, mais les délais sont importants aussi. C'est important. Ça a trop duré en fait. Moi j'ai été fonctionnaire avant d'être au privé. L'État ne donne pas les moyens pour l'entretien. Oui. Moi j'ai tout la Banque nationale de la santé. Le budget fait peut-être 800 millions par an. C'est-à-dire que l'État va injecter chaque mois 70 millions dans le compte du labo. C'est un labo public. Ça vous fait les bénéfices. C'est-à-dire qu'on génère des ressources, mais on générait 100 millions par an, alors que le budget faisait 800 millions. On avait dit que ce n'est pas dans le lieu privé qu'on fait des bénéfices. Donc l'État veut nous aider à combler ce cas. Donc l'État sait qu'il a envoyé 70 millions par mois. Ça, c'est un fait réel. L'État envoie 20 millions par mois. Donc le directeur, il prend les 20 millions, il paye les salaires, il paye CIE sur le site. Et puis, on peut entretenir quand il y a un équipement qui est en panne, on ne peut pas entretenir l'équipement. Vous allez au chute d'angle aujourd'hui, il n'y a pas de bière. Il n'y a pas de bière au chute d'angle aujourd'hui. Il en parle de 7, plus de 6 mois. Parce que vous allez regarder, l'État n'envoie plus l'argent pour les salaires, pour les besoins, pour les. Voilà. Toi, ce qu'il te dit, c'est vrai, j'ai mon cousin qui est médecin chirurgien, il a dit ça, il dit tous les budgets ont été réduits actuellement. Oui. Et puis c'est tout, hein, même
dans l'éducation chez nous, les proviseurs, tout a été réduit. Souvent, les enfants n'ont même pas des rangs pour faire des devoirs. Tu as vu, même pour s'inscrire chez nous, c'est le gros niveau du CD. Même quand on doit faire le reçu de l'enfant, il n'y a pas rang, il n'y a pas encre. Tu as vu, alors qu'on dit le plus gros budget affecté à l'éducation. On peut comprendre. Maintenant, toi, le manager, il te met à faire cotiser les parents. Tu vois, c'est un faux problème. Hein? On sort à la télé, on dit, si les parents, si on vous dit de cotiser, voilà le numéro vert. Or, ils ne donnent pas les moyens d'aller travailler. Ils disent pas aux gens de dire que c'est eux qui ne donnent pas les moyens. Mais ils disent que c'est gratuit. Bon, tu as vu, c'est compliqué. C'est pour ça que les enfants s'expriment à elle. Oui. Voilà. Ils le ressentent plus dans le privé. Oui, voilà. C'est pas privé. Voilà. Tu as vu, c'est. L'État n'est pas en faillite. Oui. En fait, l'État, c'est comme si quelqu'un. Mais avec les différentes augmentations, tu sens même que. L'État en fait. Voilà, il n'y a pas l'argent. Tu sens que. C'est-à-dire, quelqu'un qui fonctionne avec 500 000 francs par mois. Et puis en réalité, son salaire est ça fait, deux structures, j'ai vu les gens grogner dans les réseaux, ceux qui ne sont pas payés, ça fait 9 mois. L'hôtel de golf et puis le ministère de l'hydraulique, ce sont des contractuels. Oui. On leur dit, s'ils ne veulent pas, ils vont les laisser. Et puis ils vont dire, je suis que ça ne va pas. Et ça, comme tout à l'heure, j'étais conférence des pharmaciens dans la journée. Oui, oui, oui. Et on parlait de la fiscalité. Donc il y a un esprit comptable qui est venu dire, serrer encore la ceinture. J'étais la semaine, cette semaine, il y a eu un député à la semaine avec le DG du FMI qui a fait du matchement. Oui, la dame. Où la Côte d'Ivoire s'est engagée à faire entrer 500 milliards, près de 600 milliards. Non. C'est-à-dire, en plus de que la Côte d'Ivoire fait entrer 600 milliards en termes de recettes des impôts. Donc, lui, en tant qu'expert comptable, il suit les entreprises, puis il voit la combinaison des entreprises. Il dit, mais. L'État va enlever les 600 milliards. Puisque la FMI dit que les impôts ne sont pas suffisants pour nos charges. Oh, ouais. Donc l'État du Côte d'Ivoire s'engage auprès des FMI. Dit que on va trouver 600 milliards. Sauf que c'est comme si l'État du Côte d'Ivoire s'engage en 2020.